première grosse montée, heureusement que le soleil est avec nous. Et c'est super chouette en fait de pouvoir monter aussi haut avec le chargement qu'on a. Et sans finalement, sans trop se crever. C'est une première, donc c'est extraordinaire dans le sens où bah, j'ai l'habitude de faire du vélo de route. Et l'école, à 10%, tu les montes à 9-10 km/h. Là, j'étais à 18-20 km/h, donc c'est plutôt super. On va voir les orgues, voir le barrage des... on va faire à 120 km normalement, avec 2000% de dénivelé à peu près. C'est nickel là. De barrage en barrage en plus, on est trop bien. Tiens. Surtout avec beaucoup d'émotion, je suis passé sur ce barrage-là. Le barrage de Bord-les-Orgues, c'est un ouvrage absolument majeur du parc français. La construction a commencé durant la Deuxième Guerre mondiale et il a été mis en œuvre en 1952. Et c'est un ouvrage poids-voûte qui fait plus de 130 mètres de haut et avec une retenue de près de 500 millions de mètres cubes. Donc c'est vraiment une des plus grandes retenues de France. Peut-être les futurs prototypes de ce que seront demain des vélos avec des nouvelles motricités. Et donc c'est vraiment très intéressant, on est très heureux d'y participer, de soutenir et de suivre cette super belle aventure. Et là, c'est notre 9e jour. On sent que les jambes, ça y est, elles se calent bien et on n'a plus qu'une envie, c'est de continuer de pédaler. Beaucoup de soleil. Beaucoup de soleil aujourd'hui. Alors, on a pu monter comme des bêtes. Première montée, très agréablement surpris par le vélo solaire, on s'est galéré un petit peu et puis au final c'est passé comme il est fait à la poste. Sabrina a ouvert le peloton. Elle nous a fait un sprint. Elle a bu 2 actimètres ce matin. Arriba, ¿no?
la fraîche. À la fraîche. L'esprit, la performance, les grands cols faits. Je n'ai pas sauté, j'aime bien.